Salut tout le monde, c'est Angou. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Il s'agit de Dragon Ball Z Budokai 3. Nous sommes sur PlayStation 2 et ça me fait plaisir d'être avec vous et de faire cette vidéo là, cette vidéo un petit peu spéciale puisque Budokai 3 c'est pour moi un jeu de combat, un des meilleurs jeux de combat auxquels j'ai pu jouer quand j'étais jeune. Ça reste encore un très bon jeu et franchement j'en ai gardé de très bons souvenirs. Et disons que je suis pas un peu ému, non pas du tout, mais finalement ça me fait bizarre de retrouver un petit peu ce jeu là, de retrouver les menus, les musiques. J'avais complètement oublié, mais cette musique d'intro là, c'est la musique que vous pouvez trouver en cinématique d'ailleurs. Je vous invite à faire une petite recherche sur YouTube, vous tapez Budokai 3 intro et vous allez tomber sur la magnifique intro du jeu. Et donc cette musique, enfin ces musiques, ces bruitages, ce son, franchement c'est juste super. Si vous aimez la licence Dragon Ball, je pense que Budokai 3 vous n'y êtes pas passé à côté. Et voilà, donc c'est une petite vidéo nostalgie. Avant de commencer, voilà, vous avez remarqué que ma dernière vidéo d'un ancien jeu, c'était Tourist Trophy. Je pense que je vais vous faire en fait une vidéo d'un ancien jeu, au moins une fois par semaine. On va ressortir les anciens jeux du placard, parce que au final ça fait du bien de retourner encore, comme je vous le disais, aux sources. Ça fait du bien de retrouver ces anciens jeux et de voir que à l'époque c'était très bien, c'était même voire mieux que maintenant. Et donc on va voir ça tout de suite. Donc on va pas se prendre la tête, on va se faire un duel. Donc, vous voyez, il n'y a pas de mode multijoueur, multijoueur comme on l'entend, c'est-à-dire sur internet. Il y a du 1 contre 1, 1 contre 2, enfin, etc. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer contre l'IA. Alors, excusez-moi, je sais que je m'excuse toujours quand je fais mes vidéos, mais ça fait vraiment longtemps que j'y ai pas joué. Quand je dis vraiment longtemps, ça veut dire ça fait des années. Ça fait vraiment des années que j'y ai pas joué. Donc, ça me fait tout bizarre, en fait, de retrouver ces petits personnages-là, Gohan Ado. C'est en cel shading, c'est une sorte de cel shading. Alors, c'est plutôt joli, hein. On est sur PlayStation 2, mais ça reste très propre, très joli. Alors on n'est pas bien sûr au niveau d'un Naruto Ultimate, Ninja Storm, Shippuden, je sais pas quoi. D'ailleurs je sais pas qui l'a développé ce jeu. Je regarde sur ma boîte là. Bandai il y a écrit, mais ça doit être l'éditeur. Je sais pas. Bah écoutez, si vous savez, je suis preneur. Là je le vois pas. Non, je le vois pas sur ma boîte, tant pis, c'est pas grave. Écoutez, on va se lancer, on va prendre Vegeta quand même. Vegeta, on va choisir. Si je me souviens bien, c'est ici. Ok, j'ai aucune technique. Non, j'ai aucune technique. Modif. Non, je me trompe de jeu. Non, oh, je fais n'importe quoi. Il faut juste que je me rappelle comment fonctionne la manette en fait. C'est d'un jeu à l'autre, rond c'est pour valider et rond des fois c'est aussi pour annuler. Donc bon, bah Vegeta c'est mort. Monsieur Satan, qu'on appelle aussi Hercule. Santé, on va la mettre au max. J'espère que lui il a des techniques. Non, il a pas de petites techniques là. Mais comment ça se fait qu'ils ont rien? C'est bizarre. Ah, attendez. Attendez, les amis, je suis désolé, mais peut-être que il faut que je charge ma partie. Attendez, je vais quitter, je vais charger, je vais voir si ça. Non, je sais pas. Je ne sais pas. Je sais que tout à l'heure j'ai lancé le jeu, je sais plus si j'ai chargé. Je m'en souviens plus. Bah écoutez, c'est pas grave, hein. C'est du direct. Enfin, c'est pas du streaming, on n'est pas sur Twitch. Mais presque. Donc, un contre l'ordi. Bon, et puis c'est pas grave. Si je trouve pas de capacité. C'est dommage, je voulais prendre Hercule. Modif tech. Mais y a rien. Modif. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je vais juste. Oh, attendez, c'est vrai que. Attendez. Mais oui, bien sûr, on peut changer la tenue. Ah, je suis désolé, je vous montre un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave, je veux vraiment voir, me rappeler, et puis même peut-être que vous aussi, ça vous rappelle des petits souvenirs. Mais pourquoi on fait. Ah, mais ça change aussi la tenue de l'autre. Ah, je comprends plus, là. Bon, c'est pas grave. On va changer de bonhomme. Je vous les montre rapidement, tiens. Comme ça, ça vous donne une idée quand même du casting qu'il y avait quand même pour l'époque. C'est. Perso, personnellement, il y en a plutôt, il y en a pas mal. Hein. Je vais prendre Super Boo. Il a une autre tenue ou pas? Attendez, on va regarder. Ouais, c'est juste la couleur qui change. Ouais, c'est pas terrible. La santé, on va la mettre au max. Modif Tech, on va revérifier. Bah, lui, il a que dalle aussi. Ah, mais si, il en a Absorption. Bah, écoutez, on va prendre ça. Je sais pas c'est quoi. On s'en fout, c'est pas grave. On a pris Absorption.
Ah mais attendez, je crois me souvenir qu'au final l'absorption c'est en fait je crois que je peux absorber l'adversaire et en fait je récupère ses capacités. Je ne me souviens plus, tiens on va récupérer Hercule. Ouais, on va essayer de récupérer les capacités de d'Hercule, on va voir ce que ça donne. Voilà, sincèrement les amis, ça fait vraiment bizarre de se retrouver. Ah bah attendez, hop, les entrailles debout, ça va être nickel. Ça fait vraiment bizarre de retrouver ce jeu. Ah, attendez. Attends, il faut que je crois. Attendez, ça marche pas, c'est pas comme ça. Je crois. Il me semblait qu'avec. Attendez, ça marche plus là. Alors le bruit que vous entendez, en fait, c'est moi qui agite les joysticks. Ouais, ça marche pas. Bon bah c'est pas grave. Alors, il me semblait qu'à l'époque, en fait, il fallait agiter les joysticks et les espèces de petites créatures vertes là, elles sortaient plus vite. Waouh. Ouais, je dis rien, c'est normal, c'est juste que je suis en train d'admirer en fait. Ça me fait tout bizarre. Et mine de rien, les amis, c'est pas dégueulasse. C'est plutôt joli même, hein. Genre... Ah, attendez. Je connais pas, je me rappelle plus des trucs. Donc là, ok, on a coup de poing, coup de pied. Ah oui, d'accord, en fait, ça enchaîne. Stop. Bon, c'est pour les. Ok, ça c'est pour les fentes. Oula, là. Ouh, waouh. Ça, ok, c'est bien souvent dans les jeux, c'est les projections. Là, on peut dasher en arrière et en avant, ok. Alors pour. Attendez, je me souviens plus pour. Allez. Si je fais comme ça. Non. Alors, hein, je suis désolé, je vous montre pas forcément un beau spectacle, mais c'est vraiment que j'essaye mes touches. Attendez, voir technique. Avec plus de 3 jauges de ki. Ok, donc toutes les touches, ok, on va essayer ça. Ok, je sais pas trop ce que ça, quoi ça. Ah, mais attendez, c'est que je peux faire le super coup maintenant, mais comment on le fait? Tu peux réappuyer sur les touches. Oui, c'est ça. Attendez. Je vais réessayer, je vais vous montrer ça. Il faut que j'y arrive avant que. Allez. Nickel. Absorption. Ah ben. Attendez. Qu'est-ce qui va se passer? Ah non, ok, c'est au hasard. Ok, je chope un ennemi au hasard. Je me souvenais plus du tout. Du coup, là, j'ai chopé Sangohan, il me semble. Oh là là, c'est stylé. Non, sincèrement, Budokai 3, c'est vraiment stylé. Ah, je récupère cette capacité. C'est nickel. Attendez, est-ce que je peux. Mais oui, voilà, super Kamehameha et tout. Ah, c'est fort, franchement, c'est super. Attendez, je vais essayer de. Je vais lui lancer une petite attaque. Donc là, c'est peut-être pas très joli comme combat, mais j'ai vraiment envie d'essayer de vous montrer un maximum. Zut. Non, je vais te faire choper. Ah, zut. Ah. Ouais, c'est pas grave. Je vais essayer de remonter ma jauge de ki, de chakra, ou ce que vous voulez. Oh putain, j'en prends plein la gueule. Ah, je le fais. Oula. Ah oui, mais oui, il fallait choisir une touche. Attendez, moi j'ai fait carré. Si lui il a fait carré aussi, en fait je vais faire un coup. Rond. Alors je fais rond. Ok, il a fait plus rien. Ah non, il a fait trois. Enfin, je comprends plus rien. Donc allez, rond. Ah nickel, il a fait. Mais oui, je me souviens, ça donnait des super parties pour l'époque. Ce système un peu de devinette, de savoir en fait quelle touche l'ennemi a fait. Il y avait aussi, je sais pas si on va pouvoir le faire, lorsque deux personnes ont le Kamehameha, en même temps, il fallait vite s'acharner sur les joysticks et c'est à celui qui tourne le joystick le plus vite qui remporte le duel de Kamehameha. C'était, non mais sincèrement pour les fans, c'était juste super problème. Allez, super Kamehameha, nickel. C'est vraiment joli, franchement, on est sur PlayStation 2 et... Oh là là. La puissance, oh la vache. Ah oui, non mais j'ai fait n'importe quoi. Ok, mais il y avait tout un système comme ça de défense. D'accord, ok. Bon écoutez, j'ai raté mon caméra. Ça fait bizarre quand même de voir Hercule réussir à contrer mon... Okay. Alors attendez, il y a une capsule qui apparaît, c'est quoi? D'accord. Mais j'ai toujours pas trouvé comment en fait on recharge ce kit. Attendez, oh, attends, je l'ai à fond, je vais retenter le super caméra de la mort. Alors je me souviens, on pouvait aussi personnaliser, comme on l'a vu en début de partie, ses attaques. Ah bah, d'accord, je l'ai eu. Ok, bah écoutez, franchement, pour cette première partie, ce premier combat, après quelques années, je trouve que je m'en sors pas trop mal. Et je suis étonnamment surpris, mais je prends vraiment beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là. Il y a beaucoup de retours sur les derniers Dragon Ball sur PlayStation 3, PS4, qui sont
considéré comme pas très bon. Je crois que j'ai essayé quelques démos et j'ai essayé très rapidement. C'est vrai que j'ai pas retrouvé le plaisir de jeu que j'avais franchement avec ce Budokai 3. Il paraît que le tout dernier, j'ai plus le nom en tête, c'est vraiment le dernier là qui est sorti. Il paraît qu'il est pas mal. Je l'ai pas essayé, mais bon, c'est pas grave. Écoutez, on va prendre un autre personnage. Je vais prendre Vegeta. Attendez, je vais voir Vegeta parce que c'est un personnage qui est assez charismatique et que j'aime beaucoup. Si je le trouve, il est là. Attendez, je vais lui changer de tenue. On va voir ce qu'il a comme tenue. Ok. Oh, celle-là, elle est stylée. Ça, c'est quand il se transforme en singe, là. Bon, attendez, c'est laquelle, celle-là? Bon, on va prendre celle-là parce que je la trouve vraiment trop belle. Modif Take. Alors, attendez. Si je fais ça. Ouais, mais non, en fait, il a pas de technique. Ah là là, je suis un peu déçu. Je suis un petit peu déçu, les amis. Bon, écoutez, on va prendre l'emblème hein, de Dragon Ball. Hein, ça reste Sangoku. Modif Take. Est-ce que lui, là... Ah, oh la vache. Ah, mais lui, carrément, j'ai carrément toute la... Ah oui, on peut choisir Kamea. Ok, j'avais tout ça. Donc, si je prends... Potara Vegeta. Ok, donc ça, c'est quand il fusionne avec Vegeta, si je dis pas de conneries. Ok, ça prend tout l'emplacement. Ok, allez, on va pas perdre de temps. On va se faire un combat contre son rival. Hop. Hop. Allez, on silence. On perd pas de temps. Je vois qu'on est déjà à plus de 11 minutes de vidéo et ça passe vraiment vite. Franchement, quand on prend plaisir à jouer, le temps passe super vite. Attendez, je vais essayer de vous remontrer. Non, ça marche pas. Hein. Ouais, il faut dire que, sincèrement, je crois qu'il va falloir que je me réachète une autre manette de PlayStation parce que là, elle a vraiment vieilli. Hein. À la base, elle était censée être grise. Là, elle est jaune. Elle est jaune. Les touches, elles sont un peu rouillées. On sent quand on appuie sur les touches, vous voyez, c'est un petit peu dur. Ça doit être la crasse qui s'est mise dedans dans les circuits. Enfin bref. Allez, je vous laisse l'intro et après, on fait le combat. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, on va faire un petit combat là. On va essayer de remonter vite la son qui. On va se transformer en végétaux, je sais pas trop quoi là. Alors, je pense que c'est. En fait, je crois que c'est un peu tout. Pardon, je bégaye. C'est un peu les mêmes touches entre tous les personnages. C'est un peu dommage. Hein. Je vais tenter. Tac. Ensuite, une fois que je suis comme ça, je peux. Allez. Ok, nickel, j'ai réussi. C'est cool. Franchement, j'arrive à vous montrer plein de choses. Je suis assez content. Ah oui, mais il peut m'en empêcher. Oh non, mais c'est sérieux, il m'a... Oh purée, oh l'enfoiré. Donc vous voyez, en fait, il a deviné la touche que j'ai fait. Et du coup, il m'a empêché de me transformer. Non, excusez-moi. Je vais y arriver. Je vais aller là pour le tenir. Bon, écoutez, on va retenter. Retransformation, là. Il faut que j'y arrive, et après, je pense... Attendez. Ah mais c'est... Attendez, non, c'est pas comme ça. Oula. Ah oui, ça c'est toujours la même chose. Ah, je galère. Ah, il va me tuer. Ah voilà, c'était obligé. Non. Mais j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Oh putain, franchement, ce jeu, il est pas super. Regardez-moi ça, j'ai tout détruit, Ouais. Bon. Écoutez les amis, ce que je vais faire, parce que je vois que le temps passe et que je suis limité en temps, je vais même carrément vous faire une deuxième vidéo, la fin du combat. La fin du combat, ça va être le versus Sangoku Vegeto. Hein, j'espère que je vais pouvoir me transformer face à Vegeta. On va voir ce que ça donne. Donc je vous dis à tout de suite, je vous retrouve. J'espère que vous serez là. En tout cas, si vous voulez partir tout de suite, il n'y a pas de souci. Je vous dis donc à tout.